Général Jean-Paul Michel, le mandat 5 de la mission ELSEC RD Congo, qui a commencé le 1er octobre 2009 et ça termine le 30 septembre 2010. Lors de ce mandat, on a signé un programme d'action avec le ministère de Défense nationale d'anciens combattants. Et de votre avis, quel est le plus grand bilan de cette période? Le bilan, justement, il est la conséquence du programme d'action, hein, puisque à partir de ce programme d'action, les Congolais se sont complètement appropriés, hein, notre action à leur côté. C'est-à-dire qu'ils ont adhéré au projet que l'Union européenne a voulu contribuer dans le domaine du secteur de la réforme de la sécurité. Et cette appropriation par les Congolais est notre plus grande victoire. Et le FADC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, c'est le partenaire principal, évidemment. Dans leur travail et dans le cadre de ce programme d'action, de votre avis, quelle est la plus grande avance qu'ils ont fait? Alors, ce que nous avons réussi à les aider, c'est à maîtriser les effectifs. Vous savez que c'est une armée qui est une armée composite, hein, et il fallait absolument, je dirais, reprendre la main et réorganiser cette armée. Justement, si on regarde la mission dans une perspective un peu plus grande, quel est le rôle de la mission ELSEC par rapport à la situation sécuritaire en RDC? Alors la mission ESSEC ne contribue pas, je dirais, directement sur le terrain à s'occuper de la sécurité, comme le fait la MONUSCO, mais la mission ESSEC, elle, s'occupe, je dirais, des réformes structurelles, c'est-à-dire qu'elle aide les Congolais à mettre en place un système qui permettra à cette armée, dans un proche futur, d'être opérationnelle et durable. Et si on regarde un peu, vous avez mentionné MONUSCO, si on regarde un peu la communauté internationale qui se trouve en RDC, quelle est la valeur ajoutée d'une mission de l'Union européenne telle que la mission ELSEC parmi les autres acteurs dans la communauté internationale dans le pays? Voilà, l'Union européenne, je dirais, dans le cadre de son action, est devenu le premier contributeur au sein de ce pays, sur ce pays. Et dans ce cadre-là, je dirais, au-delà du poids d'investissement financier, il y a aussi le côté historique et culturel. Et je pense que les Européens peuvent, d'une certaine mesure, je dirais, montrer un peu la voie aux autres contributeurs pour aider au mieux les Congolais dans l'accomplissement de leurs réformes. Et finalement, sur un niveau personnel, vous avez maintenant passé au sein de la mission et comme le chef de la mission 2 ans et 3 mois. Et dans votre expérience personnelle, quelle est, dans votre avis, la plus grande réussite lors de votre mission? Voilà, alors la plus grande réussite, je vais peut-être me répéter certainement, c'est d'avoir convaincu les Congolais à adopter une méthode avec nous et à s'approprier cette méthode. Hein, vous savez que jusque-là, nous avions eu beaucoup de mal et le fait d'avoir réussi à les convaincre est une réussite que j'attribue bien sûr à toute l'équipe et particulièrement à tous mes collaborateurs qui travaillent avec moi et représentant les 11 armées européennes ici présentes. Merci. Bon.